Ah, bonjour, bonjour, bonsoir. Hein, ça dépend un petit peu de où vous vous situez dans le monde. Mais chez moi, nous sommes le samedi 21 septembre, il est 15h57, hein, presque l'heure du goûter. Et je me suis dit que c'était le moment, bien sûr, pour moi de continuer et éventuellement finir ce maudit jeu qu'est Ape Escape. Hein. Ape Escape, souvenez-vous, déjà deux streams de commencer, avec une aventure incroyable du cul. Et normalement, je me situe à peu près à la fin du jeu, hein, au dernier niveau, un grand grand niveau, qui vaut son pesant de cacahuètes, hein, ou son pesant de bananes, bien sûr. Alors deux secondes, je remets le chat, je remets le jeu, puisque oui, normalement, voilà, le jeu fonctionne aussi chez vous. Je regarde ça, je vérifie. Formidable! Parce que oui, alors ce que vous savez peut-être pas vous, c'est que lorsque j'ai quitté le stream la dernière fois, enfin, la dernière fois que j'ai fait Escape surtout, eh bien, il avait planté juste le temps de tout simplement changer d'écran, et j'avais eu peur de ne pas pouvoir sauvegarder, et pourtant, si. Donc c'est bon, la sauvegarde fonctionne, j'ai pu enfin continuer ce jeu, et on va sans plus tarder continuer notre aventure. Ah, il est en train de se détendre un petit peu les membres, hein. On aura petite galipette, pirouette, cacahuète, hein. Donc, sans plus tarder, on continue, oui! Alors souvenez-vous, hein, on avait terminé chaque stream avec un petit jeu bonus. Je suis pas sûr qu'ici ce soit possible, mais bon. Donc temps présent numéro 2 chez Spectre. Et oui, on va donc arriver dans l'endroit où se trouve normalement Spectre, le singe diabolique. C'est parti! Salut Spike! Oui! Comment vas-tu? Surpris de me voir? Un peu. J'aimerais jouer avec toi. Ça pourrait être très amusant. Ah oui! J'ai caché professeur Eketi dans le parc d'attractions. Bon, je comprends rien à ce qu'il me raconte, donc je vais passer. Alors, du coup, je me suis renseigné un petit peu, et comme je vous disais, en fait, il y a la voix qui me parlait. La voix me disait quelque chose. Et c'est parce que, en fait, en regardant sur Wikipédia, je me suis rendu compte que la voix française de Spectre, alors je pensais que c'était la voix de Liquid Snake dans Metal Gear Solid 1, et en fait, non, c'est la voix de Solid Snake, c'est Emmanuel Bonamy qui double Spectre. Et qui fait donc la voix aussi de Solid Snake. Donc une bonne surprise, hein, comme quoi après à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de différence entre les deux, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait que sélection limitée, on va dire, de personnes pour faire du doublage. Et du coup, dans Spectre Land, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc capturer Spectre, il y a 24 singes en tout et pour tout. Et je vais devoir aller dans moult endroits différents. Donc c'est un grand grand niveau avec un hub central. Et c'est pour ça que ça change un petit peu de d'habitude. Donc là par exemple, voilà, il y a un singe déjà qui m'a repéré, avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Il a l'air motivé, un peu vénère. Putain, il lance des bombes. Non mais arrête. Il est motivé de ouf, hein. Putain, par contre, j'ai pas de... Bah oui. Ça vient d'avoir un petit... Voilà. Mais non mais... Allez. Oh, c'est galère. Alors du coup voilà, je dois capturer Spectre. Est-ce que je dois par contre... Je peux monter au moins sur ce truc? Oui. Ah! Est-ce que je dois par contre capturer d'autres singes ou pas? Je ne sais pas. Je sais que Spectre c'est le but principal de ce niveau. Tiens! Putain, il était relou celui-là. Rappelez-vous aussi, hein, j'ai un problème de... Enfin, je vais me faire avoir. J'ai un problème de... Comment ça s'appelle? Ah! De manette, ce qui fait que. Des fois, quand je vais tout droit, eh bien, je vais marcher. Oh putain, par contre, il est mis la max, hein. Ah là là là, je vais déjà mourir. J'ai pas mal de vie, d'accord? Si je pouvais éviter de décéder, ce serait pas mal. Y'a pas un petit cookie dans le coin? Allez! Ah, bah super, je me jette dedans. Quel connard. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai pas mal de vie. Ça devrait l'effectuer. Oui, 12, il m'en reste 12. Putain, il y avait des cookies juste ici en plus, quel connard. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme je vous le disais, hein, quand je marche tout droit. Ah! Non! Ah! Je vais essayer quand même d'en capturer un maximum. Hein. Je sais aussi qu'il y a un mini-boss dans ce niveau. Enfin, pas dans le niveau des cow-boys, mais dans le niveau en général de Spectre Land. Oui, voilà. Il est pas facile celui-là.
Et encore un autre là-bas. Ah, est-ce que je vais le toucher d'ici? Putain, il y a encore un gun. Alors. Oh là là. Oh là là. Allez, laisse-toi faire. Mais non, pas là. Putain. Il a vraiment mis les singes les plus dangereux dans ce niveau. Hein. On sent que c'est la fin du jeu. Ah putain, il est chiant. Laisse-toi faire, darling. Oh, quel connard. Voilà. Bon, les trois singes sont capturés. Hein. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais au moins c'est fait. Mangeons quelques cookies. Cookies, des cookies. Il va cookie, Mookie. Ah, Mookie, va cookie. Alors, du coup, c'est fait. C'est récupérer quelques. Voilà. Quelques petits Doritos, là, qui donnent de la vie. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais encore des cookies, bah, c'est bien. Si je l'avais su avant, j'aurais été moins con. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est fait. Ah, une pièce spectre ici. Bon, écoute, on va y aller. Allez hop! Ah, je l'ai loupé, chef! Bravo! Mais quel connard! Allez! On va y arriver! Je sais pas pourquoi je me fais chier! Hein. C'est pas du tout obligatoire! Mais bon, pour l'instant, on va le faire! Ah, en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a des travaux en même temps que je vous parle! Donc, je sais pas si vous entendez quelque chose, mais. Mais voilà, un stream de Kalitsei! Voilà, c'est fait. Bon, le western, c'est bon. On n'en parle plus. Ah, alors, c'est vrai que cette zone-là, quand j'étais gamin, c'est pas qu'elle me faisait vraiment peur outre mesure. Mais je sais que je l'avais pas forcément. Je l'avais pas forcément pour moult raisons. Je trouvais trop grande, trop compliquée. Là, par exemple, pour ouvrir ce passage-là, je sais pas ce qu'il faut faire exactement. Donc là, le Spectre Circus, le cirque de Spectre, hein. Souvenez-vous, en plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on commence le jeu, et on peut voir donc Spectre qui est dans un zoo. Professeur, êtes-vous blessé? Oh, tu es là, Spike! Ne t'inquiète pas. Et toi, ça va? Oui. Et toi, la famille? Bien. Imhotep? Je ne peux rien faire ici. Peux-tu m'aider? Non, professeur. Il y a un accès en haut. Tu dois pouvoir entrer par là. Ok, oui, bon voilà, on va passer parce que c'est un peu chiant. Du coup, je vais devoir faire le tour de l'arène, le tour du monde, pour pouvoir libérer le professeur. Oula. Oui. Donc oui, je me souviens, en fait, faut pas que je capture forcément tous les singes présents et disponibles. Il va falloir que je libère mes amis. Donc Cathy, le professeur, Buzz aussi, hein, évidemment. Hein. Je rappelle, hein, Buzz est contrôlé par Spectre. Ah! J'ai glissé, chef. J'ai tombé. Là, par contre, c'est une vie directe. Hein. Le jeu, il pardonne rien du tout. Hein. Je me souviens pourquoi j'aimais pas trop ce passage-là. Je trouvais pas ça forcément très jouable. Voilà, avec des putains de ballons explosifs à la con, là. Ok. Allez. J'ai à peine le temps de les esquiver, hein. C'est chiant, c'est relou. Voilà, oh, bah, très bien, en plus un petit cookie, alors attention. Ok. Ok, hein, deuxième phase, on avance. Hein. Bah, jeu du cirque oblige, hein, on fait un petit peu le trapéziste. Hein.
Accroche-toi, espèce de con. Oui. Ok. Ça se passe plutôt bien. J'ai fait me faire avoir. C'est bon. On récupère un petit peu de trucs. Ah, mais en plus, il y en a là. Donc oui, les gadgets... Non. Si, bof. Regardez ça comme ça pour l'instant. Là, je peux pas bouger la caméra, par contre. C'est agaçant. Oh. C'est bon. Ah, mais merci, Bozo le clown. Ok, alors comment je le bats? Je suis censé faire... comment? Ok, alors pas comme ça, sûrement. Pas comme ça non plus, on dirait. On va reprendre le... ça, et on va prendre ça pour la forme. Ok, donc je crois que ça, il s'en fout complètement. Ok. Bah, j'ai trouvé le truc, c'est avec, donc... le lance-pierre. Dans la bite. On va voir si tu pourras jongler longtemps avec, avec ça d'entre les couilles. Ok. Bon, je pourrais utiliser les trucs explosifs, mais je suis un petit peu radin. Oh, il a disparu, mais c'est bon, il est là. Après, c'est la première phase, hein, seulement. Utiliser les jetons explosifs. Paf! Ok, c'est bon. Ouch, mais quel connard. Donc on va reprendre ça comme ça. Ok, parce que ce que je sais, c'est que en explosant la voiture comme ceci, ouch, contre lui, technique de speedrun, hein. Normalement ça lui fait beaucoup plus de bobos. Et voilà, il est mort. On bat deux fois plus vite. Merci de ton aide, Spike. Mais de rien, le vieux. Tu es devenu très fort. Mais je sais. C'est la puissance de votre armure, professeur. C'est la puissance de la funk. Non. La puissance seule n'est pas la force. Ce n'est qu'une partie de la force humaine. Tu es vraiment devenu plus fort. Ah bon? Vous croyez vraiment? Ouais, c'est bien. Mais je voulais... les cookies! Les cookies, bordel! Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est, j'ai libéré le professeur. Ça c'est fait au moins. Des cookies. Voilà, moult cookies, c'est bon. Et je vais passer à la phase suivante, le coaster, le roller coaster, hein, les montagnes russes. Alors là, voilà. Là, j'aimais pas trop. Là, quand j'étais gamin, j'étais pas très fan. Parce que vous allez le voir, ça va aller très vite. Donc non seulement ça va aller vite, mais ça va être compliqué, ça va être long, ça va être chiant. Et on va en plus atterrir dans une deuxième phase que j'aime pas trop non plus. Enfin bon, bref. Je vais pas vous spoiler pour autant. Ah, une petite zone secrète là, j'ai l'impression. Enfin, secrète, hein, ça veut dire. Mais... je vais faire un petit tour, tiens. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui! Il y a un singe qui joue aux arcades. Il jouait à la salle d'arcade tout seul, il était planqué là, tranquille peinard.
Bon, ok, bah c'était juste pour ça. Bon, bah, c'est pas plus mal. Mais qu'est-ce que... Mais... Bon, ok. Ok, bon, bah, c'est bon. Un sage en plus, toujours ça à prix. C'est toujours ça de prix. Attention. Et voilà. Ok. Donc, le roller coaster, hein. Obligé d'y aller, de toute façon. Oui, alors on peut sauter. On peut sauter, on peut faire des trucs et des machins. Alors, je peux dire une connerie. Bon, on verra après, hein. On verra après la zone que je vais débloquer. Je suis plus totalement sûr. Donc là, attention, ça va aller très vite, hein. Et ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est sauter... Hop là, il faut esquiver évidemment voilà, les petits obstacles. Mais ça va vite, hein. Ah, voilà. Ah, si ça passe. Merde, il y avait un putain de cookie là, j'ai pas chopé le cookie. Put the cookie down. Aïe. Oh, je vais gerber. Alors déjà que dans la vraie vie, j'aime pas ça, mais alors là... Ah oui! Ah mais non! Oh, il y avait une vie! Ok, ça c'est fait, la première partie. Si je meurs, je reviens ici ou ça se passe comment? Je peux pas diriger autrement, hein. C'est juste des sauts. Donc après, voilà, ça devrait l'effectuer, mais bon. Ok. Ok. Un troisième peut-être. Un troisième peut-être. Un quatrième. Un quatrième. Cinquième. Bah allez, vas-y, mais vas-y, un sixième. Oh putain, j'ai loupé la pièce. Bah c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Ouch. Ouh. Ah mais non, ça y est, c'est la fin. C'est la mort. Mais je suis là, hein, c'était pas facile. Hein. En vrai, Ok, bah je recommence ici, c'est un checkpoint. Ça va, le jeu il est pas trop putassier non plus. En plus, je vais pouvoir récupérer la pièce. Donc là, il y avait 6 d'affilée, je crois. 1, 2, 3, 4. Trop tôt. Trop tôt encore. 6. Voilà, la pièce. Ouch. Attention, oui, on meurt. Non, ça va, c'est une blague. Ici, on aime l'humour. Ouch. Je l'avais vu pourtant. Ok, deuxième checkpoint. Un troisième. Ok, bon, en fait, c'est bon. Le souvenir, c'était plus long que ça. En fait, non, ça va. Mais chope ton cookie, fais pas chier. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, donc c'est ça, en fait, là, on va atterrir dans l'espèce de... la partie horreur, on va dire. Hé, hey, Cathy, ça va? Oh, Cathy la catin! Bah, ton avis! Sors-moi donc de là! Oh, bah oui! Impossible d'entrer par là. Ha! Oui. Tu devras sûrement trouver un autre moyen pour entrer. Ha! J'ai beaucoup marché avant d'arriver ici. Spike, trouve le passage d'accès. Ah oui, t'inquiète, Cathy, je vais trouver un autre chemin. Vite! Je déteste les fantômes et j'ai le vertige. Oui, bah écoute, hein, moi, y a des choses que j'aime pas dans la vie et je fais avec. Hein. Oh là là. Du coup, voilà. Bon, le monde de l'horreur, attention, ça fait très très peur. Je suis arrivé par où? Il va falloir trouver le bon chemin. Ah! Ça, c'est un gros couteau, quand même. Hein. Ah bah oui. Des fantômes, hein, des fantômes malicieux. Que je peux frapper, apparemment, donc voilà. Quand j'étais gosse, je savais que ça me faisait flipper. Hein. Oh, mais non, c'est dégueulasse, ça va. Ça me faisait grave flipper, parce que voilà, je suis un petit peu... un petit peu infragile, hein. Un bateau fragile, comme ils disent dans le milieu.
Oui, il me fallait pas grand chose pour m'inquiéter. Ah, je me disais bien aussi qu'il y a un truc un peu bizarre là. Un cookie. Ah, des munitions. J'ai pas regardé, ça se trouve derrière il y avait un truc. Voyons voir. Non, il y avait complètement rien, d'accord. Ok, bon, on avance, on continue. Paf. Ok. On passe par là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je ne sais pas. Un singe. Mais ici. Non, putain, j'ai fait ouvrir la... Il est passé de l'autre côté. Mais quel connard de con! Mais c'est pas possible d'être aussi con. Quel abruti. Oui, reviens ici. Ok, c'est bon. Putain. Alors, encore une fois, hein, c'est pas obligatoire, mais bon, tant qu'à faire, autant... Autant en profiter. Là, j'ai ouvert l'accès ici. Ok, là, je pouvais pas y aller avant. Ok. Déjà ? Ok, alors ils plongent tous en bas. Ok, donc là il y a moult singes. Ils vont sortir tout seuls, ça se passe comment? Ok, 2-1. Ah putain, c'est con, t'as pas grand chose près, ils auraient pu tomber tous dans mes filets. Ah, casse-toi le fantôme! Un petit cookie! Allez là! Dernier singe, je pense que ce sera bon. Ça constitue le boss, entre guillemets, de ce stage. Ok. C'est bon. Aïe. Tu pourrais faire attention. Oh, oh, oh. C'est pas de ma faute. La cage, elle est tombée toute seule. Bah oui, voilà. Sale cruche. Eh ben, t'as dû te cogner la tête, hein. Excuse-moi. Où est Spectre? Je ne sais toujours pas. Et Buzz? Non plus. Mais que fais-tu? Nous devons agir. Où vas-tu? Je retourne au labo. Impossible de gagner sans cet équipement. Oh là là, je vais en coller une, c'est tout, ça va faire tout drôle. Hein. Ok, bon, ça y est. Ça, c'est fail. Oh, j'ai eu peur, c'est pour ça que j'allais tomber dans le vide. Ok, et du coup, je crois que c'est fini, hein. Y a pas une deuxième phase. Hein. Sinon, je suis pas content. Hein. Voilà, on revient directement dans la joie et la bonne humeur. Ok, bon bah c'est bon. Mais vraiment de souvenirs, ouais, c'est une grande zone fantôme, mais en fait pas du tout. Enfin, ça m'arrange. Là j'ai sauvé les deux et ça va ouvrir. Voilà, je vais passer son dialogue, hein, parce qu'on entend que la moitié, mais moi je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais j'ai ouvert la zone de Buzz. En toute amitié, hein, encore une fois. La zone de Buzz, où se trouve-t-elle? Je ne sais pas. Là, c'était le voilà. C'est le go-kart, je crois. Ok, go-kart. Petit passage de boss. Et oui. Buzz?
Me voilà. Oh. Tu t'en sors très bien, Spike. Tu as toujours été un bon adversaire. Mais le moment est venu. Battons-nous. Oui, battons-nous. Alors, pause, 2 secondes, juste fermé parce que les travaux, ça va 5 minutes. Ah, ça va être mieux comme ça. Ok, donc là, Buzz apparemment a trouvé la voiture de Doc dans Retour vers le futur. Voiture qui vole. Là, attention, ce que je vais devoir faire, c'est l'esquiver. Ah, si je mets comme ça, merde, faut pas être assez rapide. En fait, il faut que je touche son noyau, hein, le noyau du cul. C'est pas boss très très compliqué, hein. C'est juste un peu relou. Et le speedrun, je sais qu'il utilise en fait la technique que j'ai faite là. Et en fait, lui il se met dans ce coin là et il peut l'attaquer non-stop. Bon, là je suis comme un con. Aïe! Ah, oh, beauté de voiture! Ah voilà, technique de speedrun. Oh, j'ai presque réussi à faire un one shot. Parce que normalement, en fait, on le touche qu'une seule fois. Et après, évidemment, il se replie, quoi. Et là, je suis content de moi. Hein. Si on l'attaque dans le coin. Et il meurt en boucle. Ah, un petit cookie en plus. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Oui, j'ai sauvé Buzz. Je crois, il vient de se niquer Buzz. La nuque. Oh. Quoi? Où suis-je? Buzz, ça va? Spike? Je... C'est étrange. Je me rappelle vaguement de ce que j'ai fait. Ouais, t'as Buzz. Fait de la merde, oui. Tu vas finir en prison, gamin. As-tu repris tes esprits? Te souviens-tu de Spectre? Spectre? Aïe. Ouille. Pourquoi ai-je mal partout? Oh. Eh oui. Du coup, on va se barrer, hein. Je passe la cinématique parce que bon, voilà, quoi. Je vous aime bien, j'aime bien le jeu, mais bon. Ok, j'ai sauvé tout le monde, hein. Le professeur, Cathy et Buzz. Normalement, j'ai accès à la zone principale. Non, pas par là. Et voilà, c'est ouvert. On va prendre quand même quelques cookies, hein, après le passage. Ah, salut Captain Max. Bonjour à toi. Ah. Oui. Ah. Ah oui, là, je me souviens, là. Je me souviens, quand j'étais gauche, j'étais là en mode genre, putain, là, ça y est. Ça y est, c'est les choses sérieuses qui commencent, là, ça sent la merde. Ça sent la merde. Le château s'envole. Oh, le château s'envole. Et oui. Du coup, voilà. Le château s'est envolé. Va falloir, évidemment, chasser le chien, le singe. Chasser le singe, hein, c'est pas facile à dire. Donc, toujours le même objectif. Là, je vais devoir descendre tout en bas.
comme ceci. Et une fois tout en bas, je me retrouve devant le téléporteur. Oui. Ah, j'ai failli acheter ce jeu en version remake sur PSP, mais quelques jours avant, elle a décidé de ne plus lire les UMD. Ah, c'est un peu con. C'est vrai que pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Alors même moi qui suis très fan du premier épisode, je n'ai même pas testé d'avoir la version PSP. Bonjour Erico31, la banane, toujours la banane, toujours debout. Alors là, je sais que se trouve un singe. Mais non, c'est dégueulasse. Voilà. Il va falloir que je capture deux singes, apparemment, pour entrer. Ok. Apparemment, ils apparaissent pas tout de suite. Donc, on a vu qu'il y avait une boîte à cookies derrière. Il va falloir que je suive le chemin indiqué par les petits Doritos dorés, là. Bon, j'imagine que j'active la porte, un truc comme ça. Le souvenir, c'était ça, il y avait une partie à l'intérieur, puis après, il fallait ouvrir la porte. Est-ce normal qu'il n'y ait plus de musique? Ah, voilà. Je crois que c'est ce maudit singe qui fait que ça active tout le truc. Ok, la musique est revenue, c'est normal. C'est pour l'ambiance, hein, vous comprenez. Ah, bonsoir à toi, Bug Games. Enfin, bonsoir, bonjour. Et oui, Moult Live. Y'a pas un truc à faire avec ça? Faut vraiment. Ah. Ok, non. J'y ai cru, mais non. Mais c'était un warp, là, pour remonter plus vite, bien sûr. Mais comment j'y accède à ce foutu singe, là? Je peux voir qu'il était là, d'accord. Comment je... Avec la voiture? Mais non, mais... Comment j'y accède à ce maudit singe là? Encore une fois, hein, qui n'est pas nécessaire, mais bon. Aïe, mais je l'ai à peine touché le bordel là. Bon, on s'en fout. Ça m'a saoulé. On se barre. On va remettre ça. Et on va remettre ça. Bon, le but c'est juste de capturer Spectre et de finir le jeu. Hein. Encore une fois, il sera pas fini à 100%, mais c'est pas grave, on s'en prend un petit peu. Ok, donc là normalement ça a déclenché l'arrivée des singes. Voilà, sauf que là cette fois-ci j'ai pas le temps. Directement dans leurs vaisseaux spatiaux, dans les villages, dans les campagnes. Là, par exemple, ce que je pourrais faire, si j'étais pas radin. Ok. Ok, ce serait d'utiliser les... C'est même ce qu'on va faire, hein, les petites gélules. La tête chercheuse. Ouais, qui sont pas fabuleuses, hein. Ça marche quand même. Ok. Oh le bâtard. Esquive. Ah. Mais ici. Mon maudit singe. Reviens. Aïe.
Ah bâtard, il a anticipé. Mais non, mais espèce de connard. Ok. Ok. Donc les palettes explosives sont très pratiques. Elles assomment pendant quelques instants. Allez, cookie. C'est un jeu que j'avais prévu de faire, mais dû au défaut d'émulateur, c'est pas évident. Ah bah oui. Ah, j'ai moi-même quelques soucis en termes de contrôle. Hein. Quand je marche tout droit avec la caméra dans le dos, il a tendance à marcher. Je vais récupérer le bâton. Et même pour le coup, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Je vais créer une sauvegarde. Hein. Vraiment pour le fun. Parce que j'ai pas envie que ça plante maintenant. Ah, toujours Jean-Michel Caméra, hein, le fameux. Il y a un singe ici. Mais non, mais je me suis trompé de... C'est ça que je voulais prendre. Aïe! C'est toi, toi! Il y a un moment où il arrête de faire toupie Beyblade, lui, ou... Ok, ça m'a saoulé. Ok, je réveille tout le monde, hein. C'est pas très intelligent, c'est pas très malin de ma part. Ok, bah je récupère mes cookies, c'est bien. Voilà, c'est fait exprès, c'est une tactique du gendarme. Alors Spectre, hein, un petit peu mégalomaniaque. Et on va bientôt arriver au boss de fin. Qu'est-ce que... La caméra. Alors, j'ai ouvert un truc. C'est plus bas, d'accord. Là, bien sûr, il va falloir que j'utilise la petite voiture. Ok. Ouais. Arrête, j'ai pleuré pour les courses avec son ami Bird. Buzz, tu veux dire. Ok, c'est pour revenir en arrière. Ah oui, bah les courses... Ah, elles sont pas obligatoires. Hein. Elles sont pas du tout obligatoires, ces espèces de courses-là. Donc là, je vais passer par le... Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah, j'aime pas ces trucs-là, ils me font chier, ils sont moches, ils sont hargneux, ils sont teigneux. Et je prends très cher, en plus. Et merde. Tiens. Incroyable, ça. Putain, quelle casse-couillerie. C'est chiant ce putain de bug de maniement là. Je pourrais passer en bas, il y a un truc en bas, il y a un truc en haut, voyons voir. En haut il y a un truc. Non mais arrête. En haut il y a un truc, j'ai vu. Hein. Ah, connard. Évidemment, faut que ça glisse. On va commencer par le bas. Commençons par le bas. Donc oui, l'évidence, c'est pour revenir. Non, mais c'est chiant. Jean-Michel Caméra. Ah, ok. J'ai récupéré une vie. Quelle horreur.
Ok, vite. Alors vite. Oui. Ok. Ouais, j'étais pas loin, perso, pour battre les monstres, faut que tu attendes qu'ils marchent et deviennent vulnérables. Oui, bah les toupies, je vois bien, mais c'est juste que quand est-ce qu'ils deviennent vulnérables, je le vois quand, mais comment, je le comprends. Ah, Metal Gear Solid, c'est parti. Mais non. T'inquiète. Mais non, mais... Putain de con. Mais viens ici. Ah, je t'ai acculé, bâtard. Ok. J'ai libéré le chemin, mais je vais essayer de choper comme celui-ci, hein. Et la caméra ? Merci. Mais non ! Mais non, mais... La voiture toute neuve. Mais, enculé. Oui. Non. Putain, il était sorti. Mais... Ah merde. Oui! Non! Non, foiré! Pour être simple. Non! Ah, je vais l'avoir. Il m'a trop fait chier pour que je parte comme ça, lui. Ah, c'est ça, fuis. Ok, c'est bon. Tiens, petit con, va. Se faire acculer dans un coin, c'est pas sale. Ah, c'est un peu ça, ouais. Ok. Ça, c'est fait. Il y a encore une pièce, là. Ok, bon. Vraiment, c'est normal. Allez, on se barre d'ici, on se tire ailleurs, on fait comme dans l'infanterie. Ok. Maintenant, ici, c'est ouvert. Ok. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Vérifions, regardons un petit peu. Ok, j'ai une vie en plus, mais alors pourquoi elle était enfermée dans un truc, je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt, enfin bon bref. Oh non, par contre les Metal Gear, non, je n'ai pas très envie, non. C'est l'heure d'utiliser un petit peu son lance-pierre. Mais non, mais... Il est où ? Oui, bah si c'est pas obligatoire, je m'en vais. Hein. Apparemment, c'est obligatoire. Bon. Je suis content. Ok. Ok. Ah mais non, c'est pas obligatoire. Peut-être que si, je sais même pas. J'ai pas fait gaffe, en bref, on s'en fout. Tu n'aimes pas les platformers 3D style Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64? Bah, oui, j'aime bien. Mais bizarrement, j'en ai fait aucun outre mesure, à part pour les tests. C'est-à-dire que Donkey Kong, moi, je suis pas forcément fan du personnage de base. Je l'ai pas testé encore sur N64. Donc...
Banjo-Kazooie, c'est pareil. Des personnages qui me sortent un peu par les yeux. Je sais pas pourquoi, hein, mais... jamais vraiment aimé, outre mesure, la... la formule Banjo-Kazooie. Pourtant, les jeux comme ça, un petit peu collectaton, hein, comme on appelle ça dans le milieu. Les jeux où on doit collecter un maximum de choses à droite et à gauche. Bah, je suis pas contre, hein, j'adore Super Mario Sunshine. Non, j'ai glissé, chef. Bah super. Je ne vous jetterai pas la première pierre. C'est ça. Il va falloir que je recommence tout le... Ah, par contre, c'est bien. D'accord. Ok, bah si je me fais rembourser à chaque fois, moi je suis pas contre, hein. Oui, bah c'est pas une raison non plus pour faire de la merde. Ce serait sympa, hein. Donkey Kong 64, il est vraiment excellent, bien meilleur que la série Banjo et moins collectable. Ouais, je le teste. Ah, par contre, je suis obligé de me le retaper, lui, ou quoi? Parce que ça me fait un peu chier, hein. Je vous cache pas que ça m'emmerde un petit peu. Non, en fait, je suis pas du tout obligé de me le faire. Oui, en même temps, je suis un peu con. Moi, je peux passer par en dessous en rampant aussi. C'est pas grave. Oui, bah là, ça marche directement, bizarrement. Jamais aimé la N64 à taper. Ah, moi, j'ai pas grandi avec, donc j'ai pas un aspect... comment ça s'appelle ? Nostalgique, par rapport à la console. Je sais qu'il y a des bons titres. Mais faut que je le teste, hein. Faut que je le teste Donkey Kong 64 en vidéo. Il va tout doucement. Et voilà, voilà pourquoi il m'emmerdait ce niveau. Il était beaucoup trop long, en fait. Tu vois, il est toujours dans le même niveau. Hein. Mais qu'est-ce que je fais? Mais putain, mais... Putain, je suis obligé de tout recommencer. Allez, speedrun. Allez, speedrun, j'ai pas le temps. Mais oui, c'est pas grave. Damage boost. Mais double damage boost. Allez. Il y a un singe qui veut ma mort. Hein. Récupérons des munitions, hein, on sait jamais. Attention. On marche, on prend son temps. Ok. Ok. J'ai appuyé deux fois à droite sur l'écran pour passer cette scène, mais ça n'a pas marché. Ah, ça. La VOD, hein. La VOD, je vous jure, ça sera pas mal. Donc là, je ne fais pas le con. Là, voilà, je prends mon temps, tranquille. Ah, mais j'aime pas ça. Ok. Ça me revoit là, Jean-Luc. Un petit effet de caméra, hein. Sympathique. Ah, il y a peut-être un truc à choper en haut, je pense. Ah oui, il y a un petit peu. Il y a un petit peu, mais on n'est pas trop sûr. Allez, continue. Ah ah. Salut à tous. Oh putain, l'agence touriste. Oui! Attention, un singe tireur de 10 centilitres. Eh oui.
Allez, on continue. Ok, d'accord. Alors, je pensais que c'était un bumper, mais putain, mais ils sont chiants. Hein. Là, je pourrais aller en face. Mais j'ai pas envie. Quelque chose me dit que j'ai pas envie. Et que je vais plutôt m'amuser à passer par là. Alors, c'est pas facile, hein. Faut que je gère la caméra, faut que je gère le mouvement du perso. Ok, il y a une vie aussi. Bon, c'est pas grave. En termes de vie, on est plutôt pas mal. Là, par exemple, voilà, je sais pas pourquoi là, par contre, ils mettent un bout de temps. Et marche le bordel, espèce de con. Bah oui, il serait temps, oui. Il est encore là, lui, mais c'est pas possible, il me harcèle, c'est du harcèlement. Je vais faire un hashtag sur Twitter, moi. Il m'a fait chier, je vais le défoncer. Ah, bonjour, Amine Forever. C'est un tireur de litres. Ah, vous êtes fort ici quand même. Ah. Ah. Oh, il va pas me faire chier longtemps lui. Donc du coup, là, je vais récupérer ça, l'hélice. Hélice et glisse au pays des merveilles. Mais non, je me trompe de... Mais voilà. Il était gratuit. Il était tellement gratuit. C'est bon. Balance ton singe. Lui, à coup de bâton. Je vais prendre ça. Ah, je peux même pas me le... Ok, bah tu sais quoi, on s'en fout, on se barre. Ah. Caméra, oh là là. Ça j'ai 3 comme ça, j'aime pas trop. Hein. Mais je crois que je suis arrivé au bout. Hein. Oh putain, quel enfer. Ok. Encore une vie, bah très bien, ça m'arrange. Putain, on est carrément dans l'espace. Hein. Mais non mais... Je vais te la mettre, c'est un robot. Incroyable. Là, je vais être obligé de reprendre l'hélice. Ah, j'aime pas trop ce passage là. Hein. Oh. Oui. Oh, j'ai chopé la vie. J'ai tout récupéré. Mais non mais. À la limite, le filet, je vais peut-être l'enlever pour l'instant. Pas nécessaire. Ah oui, mais non, mais oui, mais non. Ok, c'était qu'une formalité. On continue. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a un singe. Est-ce que je me fais chier à essayer de le capturer? La réponse est oui. Mais non. Bon, ok, c'est pas très très compliqué, hein. Ok, ça se passe relativement bien. Ah, il y a un autre qui est en train d'éternuer. Là, il y a un petit passage ici. On va ressortir la voiture.
comprends pas. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra. Eh oui. Wayne's World. Hein. Ça se fait quoi ici? Ok. Space Monkeys. Ah, ok, d'accord. Je peux passer par là comme ça, de toute façon, oui. Ouais, donc on s'en fout. Bizarre. Merde. J'ai loupé la barre. Ah, ah. Attention. Sniper. Oui. C'est limité, non? Oui, c'est limité, d'accord. Putain, va vite la dernière. Oh là là, mais qu'est-ce qui est long ce niveau, bordel, c'est ouf. On va y aller en rampant. Hein. Enfin, c'est à plat, je me chierais dessus, mais bon. Allez. Ah, les 2 minutes du peuple. Ah oui, j'avais pas cette référence-là. Bon, la pièce, on s'en fout un petit peu. Et le singe aussi. Apparemment, j'aurais pas le choix. Je me plante comme un connard. Ceci dit, belle attrape. Ah, bah en plus, j'ai juste allé ici. Bon, bah, ok. Un peu con-con. Il paraît que je suis un peu con-con, oui. C'est pas grave. Continue. Mais non, mais... Voilà. Paf. C'est reparti. Ah bah non, j'ai même pas besoin. J'ai activé, on va attendre juste que... Voilà. Mais attention, on rampe. Speedy. Non mais... Ok. Et là, on fait pas le con. Voilà. Putain, j'aime bien quand je fais pas le con aussi, hein. Oh là là, on appelle le sniper fou dans le milieu, quoi. Attends, j'aurais bien aimé récupérer. Ok. Là, j'ai pas le choix, il va falloir que je sorte le bâton paralysant. Putain, on joue à Pong ou quoi? Putain, je me souviens même pas de ce passage-là, ça vous dire. Mais quel... Je viens de comprendre en fait. Il faut que je saute sur la plateforme, c'est quand même pas mal normalement. Enfin, c'est pour attraper la plateforme. Et voilà, si je le fais mal évidemment ça va... Oui. Putain, c'est compliqué hein. Ok. Google Cam. Ok, donc là je récupère un petit peu d'énergie. Alors on avance, hein, mine de rien, on continue. Oh putain, mais. Un Metal Gear encore. Ah! Ah, j'ai chaud, ça brûle. Ok. Et je récupère une vie. 18 vies. Je récupère aussi quelques cookies. Hein. Ok.
Allez, on y va. Oh, en fait, voilà, le gros portrait. Ah, c'est bien joué, hein. C'est fortement bien joué. Et du coup, on va retourner tout au début. C'est bien foutu, quand même, hein. Enfin, c'est classique, mais... Oh. Merde. Mais casse-toi, oh là là, ce truc-là, la con, il m'emmerde tellement, mais... Ça m'emmerde la chauve, toi, là. Ils vont me tuer. Ce truc-là va me tuer tout seul. Oh là là, j'ai vu une vie par là, par contre. 19 vies. Je crois que je vais récupérer le singe, là, du coup. Et oui, c'était Charlie et Lulu, hein. Et putain. Oh, ils vont casser les couilles, ces trucs-là, c'est incroyable. Et putain. Putain, heureusement qu'ils donnent moult cookies après, hein. En fait, je me souviens très mal de ce passage-là, hein, du dernier niveau, parce que je l'ai fait tellement peu de fois, au final. Voilà! Par contre, faut que je passe par où? Il y a là, d'accord. Oui, bah c'est la mort, c'est la vieillesse. Ok. Là, je passe par là. Le singe, il panique, là. Il a vu la voiture, il est en train de paniquer à fond. Ok, c'est ouvert. Putain, il y a un petit billard, l'enfoiré. On se met bien, apparemment, hein. Eh ouais, bah on est bien ici, hein. Bon, ton billard, il est un petit peu chelou, hein, mais bon. Allez. Encore une fois, ça me sert à rien, tout ça. C'est bien, mais ça me sert absolument à rien. Là, je suis un peu gourmand, hein. Je sens la catastrophe. Non, c'est bon. Ah d'accord, on est ici, c'est bon. Ah mais c'est pas possible ces trucs-là, qu'est-ce que... Mais casse... Et après il se barre. Oh, tu vas pas te barrer comme ça, toi. Tiens. Ok, donc on revient ici. Ça va être la fin, alors. Encore une fois, hein, je sauvegarde. Juste parce que... On sait jamais. Parce que voilà, j'ai pas envie que ça plante maintenant, en fait. Hein. J'ai eu des soucis l'autre jour avec Tarzan. Un petit peu chier de tout recommencer. 20 vies. Bon, bah ça, si je finis le jeu avec 20 vies, je pense que ça pourra l'effectuer quand même. Hein.
Après, une thématique de dernier niveau plutôt sympa. Hein. Parc d'attractions, plusieurs petits sous-niveaux avec des thèmes différents. Un grand niveau final qui te fait voir un petit peu monter la pression en mode genre ouais, là c'est quand même assez compliqué. Là je vais m'équiper, je sais que si je dis pas de bêtises, il va falloir ça. Ok, pour l'instant pas besoin de grand chose là. Non, je vais économiser les cookies. La save plante. Non. Non, Rico, me porte pas la poisse toi parce que. Un boss en deux phases. Ah oui! Avec son slip sur la tête. Tu as bouleversé le château. Et moi qui te laisse entrer pour discuter. Franchement, t'es pas très malin. Il te plaît? Ce château est la forteresse la plus puissante au monde. La conquête du monde sera facile. La vue est magnifique, n'est-ce pas? Mais tu es fou! Tout le monde est angoissé. Tu dois arrêter cette folie. Arrête de me contrer et rejoins-moi plutôt. Tu sais, comme Buzz. Jamais. Tu ne mourras jamais. Oh. Voyons voir. Je possède des super pouvoirs. Même si tu résistes, je peux te maîtriser facilement avec ce pouvoir. Comme ça. Ouais, alors par contre, ça c'est nouveau. Tu as mal? Rejoins-moi. Sinon, cette douleur persistera jamais. Parce que bon, qu'il soit super intelligent, c'est une chose, mais par contre... Non. Jamais. Donc il se prend pour professeur Xavier, quoi. Quelle tête de mur! Mon pouvoir est irrésistible. Oui. Je ne veux pas! Non! Pourquoi mon pouvoir est-il inefficace contre toi? Le pouvoir n'est pas... Quoi? Le pouvoir seul n'est pas la véritable force. Oh! Et toc dans les dents. Ce sont les mots du professeur. Tu me déçois, Spike. Je te renvoie! Ha! J'ai même pas signé le contrat. Tu vas voir. Donc attention, là, c'est parti. Oui, les doublages AD Prod, oui. Comme je le disais au début du stream, hein, j'ai tellement renseigné un petit peu parce que la voix de Spectre me disait un truc. Et je pensais que c'était la voix de Liquid Snake de MGS1. Et en fait, c'est la voix de Solid Snake, doublage français de MGS1, Emmanuel Bonamy. Oula, attention, une vague d'énergie. Voilà, une petite phase de boss, ma foi, fort sympathique. Hein. On est en première personne, à la vue du boss, c'est assez original. Surtout pour un jeu du genre. Il faudra l'approcher, évidemment, en esquivant les différentes attaques. Voilà, première phase, défoncée. Évidemment... Avec ce qu'on a vu auparavant, vous allez voir la seconde phase. Je me déchaîne Nebulaire. Ah, c'est plus Power Rangers, hein. Attention, go Power Rangers. Ah oui!
Bah, Goldorak Go! Donc attention, deuxième phase. Ça, la première phase, extrêmement simple. Hein. Donc là, il a une espèce de... Allez! Voilà, on a compris un petit peu le principe. Hein. C'est toujours la même chose, les boss dans le jeu, un petit peu, sur le problème. C'est... C'est un petit peu à quoi s'attendre. Oula! C'est avec la boule verte. La boule verte, c'est parti! Voilà! Eh oui! C'est chaud, hein. Ouais, je sais carrément au corps à corps, je crois. C'est ça. Mais non, mais saute! Mais espèce de con! Alors, pas trop au corps à corps, je viens de comprendre. Mais dans l'idée. Ah! Robot, c'est plus français. Mais non, mais. Oui, c'est bon, ça touche. Ok. Deux touches par arme. Par arme. Je parle un petit peu en franglais. Hein. Par bras. Quand ce sont quand même des armes. Hein. Le jeu me donne quand même moult coups de pied. Hein. Pour rester dans le coin, apparemment. Ok. Putain, quelle tension. Hein. La tension est palpable. Ah non! Ok! Il y a encore des cookies. Alors, comment ça va se passer là maintenant? Wow! Je suis obligé de le faire avec le bâton? Parce que si je suis obligé de le faire avec le bâton, moi je veux bien, je suis pas contre, mais... Ouch! Bon, ça va, il m'a donné un cookie directement après. Ok! Ouais, bah c'est ça. Spectorak. Bah, faut que je mette sur les côtés, en fait. Quand j'étais gamin, j'étais mort tellement de fois. À cause justement de ce putain de truc là. Ah, vite à droite! Avec cette droite, n'est-ce pas? Non! Ok, j'ai compris, il faut que je prenne le. Alors, je pourrais peut-être essayer, mais je vais pas prendre le risque. Hein. Rester à gauche, après je vais faire un petit coup de cerceau magique. Non! Oh putain! Mais non! Non, mais quel connard! Ah mais évidemment, bah oui. Ah, c'est bien tendu, hein. C'est tendu. Mais non! Ah, ça me fait juste mal comme ça, d'accord. Et je l'ai battu. Ok, alors je pensais que ça me tuait directement, en fait pas du tout, ça me faisait juste des bobos. Faudrait juste dire à Spectre d'arrêter de faire le singe. Ha! Tu as réussi, Spike! Ouais, je sais. Tu as gâché tous mes plans! Ouais, je sais. Spectre, arrête ce combat maléfique. Retourne au parc d'attractions. Tu plaisantes! Je ne retournerai pas dans cet endroit lugubre! Je reviendrai! Et tu ferais bien de te préparer!
Ouais. Car je vais conquérir le monde. Donc là, bien sûr, j'ai la mauvaise fin parce que j'ai pas capturé tous les singes. Hein. Mais je vais pas m'amuser à faire ça. Hein. Spectre. Oui. Très bien. Ah merci. Merci Harico 31. Ah bah voilà. Ape Escape, le Eni pourcent. Pas mal. Ah, j'ai quand même capturé tout ça, hein. Mine de rien. Oui. Ah. Et oui, ils m'attendent tous. Et oui. Il retrouve son copain. Eh oui. Ah. Le petit générique de fin. Hein. Je vais vous le laisser parce que moi je suis content. Hein. Mais elle était quand même beaucoup plus court que ce que... Ce dont je me remémorais. Hein. Plus court, plus simple. Bon, c'est pas forcément un mal. Mais même les premiers stages, en fait, hein, ça se fait très très vite. Beaucoup de bonnes choses dans le jeu. Hein. Pour un premier épisode, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai pas vraiment fait la suite. Hein. Je me souviens, j'avais fait la démo du 2 il y a longtemps. Mais j'avais beaucoup moins accroché. Hein. Voilà. Ah bah ça oui, hein, genre bon les plans des méchants de l'époque, bon voilà quoi. C'est pas très très recherché, on va dire. Mais il faudrait que je teste quand même le 2 et le 3. Sachant que dans le 3, il y a vraiment un gros mode de jeu avec Metal Gear. Et oui, regardez-moi ça. La vie recommence. La vie reprend son droit. Les petits esclaves, là, enfin, je veux dire, les employés de la mairie, sont en train de changer un petit peu les bêtises causées par les singes. Ah bah oui, on retrouve le gamin avec sa daronne, là. Ah, je suis content, hein, ça fait plaisir. Tiens, Stunito! Comment ça va? Bah t'arrives juste à la fin. T'arrives juste à la fin, je viens de terminer Ape Escape. Ah, c'est pas mal tout ça. Ah, faut qu'on se le finisse sur Resident Evil quand même. Hein. Ah bah oui.
Par contre, je crois que j'aurai pas assez de caissettes pour débloquer le troisième et dernier mini-jeu. Je sais même pas ce que c'est. Je me souviens du ski, je me souviens du de la boxe. Oh! Spectre reviendra sûrement pour se venger. Professeur, je vais chercher Spectre. D'accord, mais il faut d'abord attraper les singes en liberté. Retourne encore dans la machine du temps pour cette mission. Pendant ce temps, je cherche à localiser Spectre. Nous pourrons alors le poursuivre. Ok, donc voilà, le jeu vous dit, capture tous les singes et retente ta chance, en gros. Tu es heureux, tu as la sensation de réussir un bon petit jeu avec une difficulté en plus. J'ai fait un bon petit jeu, voilà, pas très très compliqué, hein. Pas très compliqué, pas trop simple non plus. Je suis content. J'ai juste envie de refaire le premier niveau, hein, juste pour terminer tout ce que j'ai à faire. Tiens, Microsoft est dégoûté. La marque Sunset Overdrive appartient à Sony maintenant. Ah oui. Oui, j'avais vu ça, oui. J'avais vu ça. Le dernier mini-jeu est un shoot dans l'espace. Ah, bah merci, Dog Game. Et ça m'étonne pas que je m'en souvienne pas, parce que j'ai sûrement dû jamais le débloquer quand j'étais gamin. Donc là, par contre, ce que j'ai débloqué, c'est... comment dire ? Tout simplement, je crois, la possibilité de faire le time attack. Donc là, oui, attention. Spike, un nouveau gadget est prêt. Un nouveau gadget est prêt. C'est un gant magique qui s'allonge et se rétracte. Oh, comme ma bite. Je te les envoie. Et c'est les... Oui, d'accord. Donc voilà, le fameux gant dont je vous parlais un peu plus tôt dans le truc. Je peux faire comme ça, ça sert à rien. Et qui me permet en fait de détruire certains murs. Et de même d'activer si je voulais des interrupteurs comme ça. Même si ça sert à rien, puisque bon. On a normalement le. Comment ça s'appelle ? Lance-pierre. Je vais y arriver. Non ? Oui. Oui. Ah, tout en polygone, hein. Les polygones qui tâchent. Anal Wake Remastered risque de pointer son nez sur PS4. Ça sent le caca pour Microsoft. Oh, après. Il manque des jeux, j'ai envie de dire, moi. En vrai, moi, je m'en fous de la guéguerre. Hein. La guéguerre Microsoft, Sony. Il manque de quoi m'amuser. Et voilà. Ah oui, le gant magique, un sacré punch. Ouais, ta gueule. Du coup, voilà, hein, très très situationnel, pas forcément très intéressant, mais voilà, le petit côté en plus, hein, le petit côté New Game Plus, plutôt sympathique. Donc là, j'ai juste capturé, en fait, le singe. Hop là, le singe qui me manquait, et qu'il me fallait absolument, en fait, ou presque, ce truc pour m'envoler. Je dis presque parce que si on voulait vraiment, il y avait moyen, je pense, de le faire sans. Et récupérer la pièce. La piècette, évidemment. Ah, bah les exclus de Microsoft, oui, après, au bout d'un moment, c'est une des raisons qui fait que je préfère Sony et Microsoft, parce que j'aime bien plus de bonnes exclusivités qu'autre chose. Alors, ce que je vais faire, histoire de finir ce stream, puisqu'on est quand même quelques-uns à le regarder pour une fois, et ça participe plutôt bien, je vais au moins finir à 100% les trois premiers niveaux, donc récupérer les pièces et tous les singes. Ouais, bravo. Ouais, félicitations. Et il me faut 40 pièces, j'en ai combien en tout? 28 sur 60. Et on peut le voir, hein, j'ai que 50% des succès, hein. Ça c'est fait, terminé.
Tout terminé, voilà. Maintenant j'ai tout terminé, je peux faire le meilleur temps. Je peux faire le mode contre la montre. Là je vais récupérer les singes qu'il me manque. Il m'en manque 2. Bah c'est parti. Et là pour le coup je pense que le radar à singes peut être un peu plus utile. Par contre j'ai récupéré déjà tous les... Bon, déjà il y a celui-ci. Comment dire, tous les toutes les pièces de Spectre. Ok, il y a qu'un singe à choper. Ça va aller vite, hein. Ah, en plus je crois savoir où il est. Je crois qu'il était en hauteur. Ouais, il était là-haut. Il était là-haut. On va faire ça vite. Bah, voilà. Ah, on pouvait passer par là? J'ai jamais fait gaffe qu'on pouvait passer par là, en fait, pour... Je le voyais plus grand que ça, ce niveau, moi. Mais en fait, pas du tout. Hop là! Allez, ça c'est fait. Oui, 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 oui. Bon. Un petit niveau, et on va se quitter là-dessus. C'est vraiment pour la forme, parce que si je commence à faire le 100%, on n'est pas sorti de l'auberge. Et surtout que j'ai pas forcément envie de revenir dans tous les niveaux, refaire tous les machins et les durs. Ah, la présentatrice des singes, oui, avec les cheveux verts là. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle fout là en fait, je sais pas trop. Un peu bizarre, elle. 4 sur 7, il en manque 3. On sait pas qui elle est, on sait pas si elle existe vraiment, hein. Ça se trouve, elle fait vraiment partie du de l'ordinateur. Hein. C'est pareil, un petit côté comme ça. Ça c'est fait maintenant. Mais non, mais ta gueule. Déjà, on va aller par là. Avec ceci. Donc là, ce que je vous disais dans le premier stream, rappelez-vous. Voilà, j'étais obligé du coup d'avoir ça. Non mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il me raconte ce truc là? Voyons voir. Je peux pas. Je crois que je peux pas. Non, je peux pas. Ok, bah si je peux pas, bah on va faire ça autrement. Non, apparemment c'est pas comme ça. Sortons le bâton magique. Renvoie les bombes sur le Triceratops. Ok, bah apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Allez le singe. Il a pas l'air content, hein. C'est pas une méthode qui l'intéresse vraiment, j'ai l'impression, lui. Ok. Non. La meuf avec les cheveux verts, à la base, est censée être un perso jouable. Le second perso jouable. Là. Ok. Puis, ils ont abandonné l'idée en cours de développement et ont juste gardé Spike. Ah, merci, Aiko31. On la voit dans le générique, donc elle a bien l'air d'être dans le réel. On la voit jamais. Ouais, c'est bizarre. Qu'elle soit cantonnée du coup au rôle de présentatrice comme ça. Ok. Oh, pauvre petit Triceratops. Oula, par contre. Ok. Je pensais que j'avais fait de la merde, mais en fait, non. En fait, ça va. En fait, ça va complètement. Bon, j'aurais bien, voilà. Par contre, il va vraiment tourner en rond comme ça toute sa vie. Un peu triste quand même. Ah, il n'y a plus qu'un seul. Oh.
plus qu'un seul petit chenapan. Il se trouve juste ici. En plus, c'est un tout faible. Et voilà! Ah merde, ah non! Il en reste encore un! Merde! Ah, il en reste encore un, d'accord. Bah, je crois qu'il est avec le dinosaure là-bas. Triceratops, qui est le meilleur pote du tri sélectif. Si, ils ont abandonné, il y a... très tôt l'idée car il n'y a même pas de cinématique avec la présentatrice. Non, c'est vrai en plus, hein. Mais en vrai, c'est bizarre quand même de la garder comme ça pour le coup. Alors après, pourquoi pas, hein. Et c'est parti, le Triceratops. Mais non, mais je suis con. Enfin, je me suis fait décaler. Ah, ok, il était là. Hop là, voilà. C'est fait. Très bien. Voilà. Vous êtes tous capturés. Le premier monde est 100% terminé. Bravo. Bravo. Et oui. Je crois que voir mon gant magique, hein. Ok, bah voilà. Bon, histoire de finir, on va juste consulter un petit peu les archives. Et ça sera pas mal. Donc 139 sur 204, hein, comme quoi j'en ai quand même loupé pas mal. Rico, vous êtes recalé. Ah voilà, donc là ça me marque que tous les singes ont été capturés. Avec Shimpo. Il est content d'être ici, hein, lui aussi. Gymnaste, sacré équilibriste. Twitcher. Lui, il est sur Twitch, un streamer, lui. Joe Young. Mooba. Et Raquel. Et Farmer. Le dernier que j'ai attrapé, c'est lui. C'était Exocet. Pilote nu de cruise. Nul, pardon. Ah, c'est rigolo, hein. Oui, bah c'est ça, ils avaient le modèle 3D, donc maintenant, on va se faire chier. Hein. Et enfin, BC, peur des dinosaures, c'est un peu con. Tum Tum a des maux de ventre. Sleepy aime faire la sieste, voyons, ça c'est original. Champ, un vrai champion, bah ça aussi, dis donc. Imp ne se sent pas bien. Mermaid adore le poisson. Et du coup, voilà. Alors lui, par contre, il est trop dangereux. Hein. L'ball, eyeball. Je sais pas, mais... Là, il m'en manque pas mal, quand même. Hein. Il en manque vraiment, vraiment pas mal. Terme des singes, temple tranquille, muraille de Chine. Ah, il en reste que deux, ici. Hein. Ah, sur le château à trucs, hein, le niveau de Dexter, il n'y en a que trois qui me manquaient. J'avais bien bossé, mine de rien. La ville urbaine... L'usine de singes, 3 aussi. Tour de la TV, bah c'est là, il m'en manque peut-être le plus. Et chez Spectre, au final, sur le dernier niveau, il me reste que 5 singes. Dont un avec le Gantbox. C'est pas mal, hein. Mais non, mais... Enfin, je voulais repartir en arrière. Mais du coup, voilà, ça va conclure ce petit stream et ce petit jeu qui est Ape Escape. Hein. Un petit jeu, ma foi, fort sympathique. Du coup, je vais vous remercier d'être passé venir me voir. J'en perds mon français. C'était très très cool. Merci beaucoup d'avoir participé à ce stream. Et je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro, un autre stream incroyable de cul. Peut-être qu'un jour, je finirai Resident Evil, le 1 ou le 2 en bonne compagnie. Peut-être qu'un jour, je commencerai Metal Gear Solid 1. Et peut-être qu'un jour, je serai le meilleur dresseur. Donc du coup, voilà. Prenez soin de vous. Et à très vite, salut !